Bonsoir à tous. J'ai préparé cette vidéo pour vous montrer les différentes étapes et la méthode pour la modélisation du poutre pré-contrainte. Donc, pour l'interface du travail, on peut travailler ici dans les garnitures d'une coque. Donc je vais commencer d'abord par la modélisation de la poutre, c'est-à-dire les conditions limites, les caractéristiques géométriques ainsi que le matériau. Et dans une deuxième étape, je vais vous montrer comment on va appliquer la tension de pré-contrainte ainsi que les autres caractéristiques de la pré-contrainte, y compris l'excentricité et la tension de pré-contrainte. Je vais commencer d'abord par la définition des lignes de construction. Il s'agit bien d'une poutre de longueur 40 mètres. Donc par rapport à X, un espacement de 40 mètres, c'est la longueur de la poutre. C'est la portée de la poutre. Par rapport à Y, donc, il s'agit bien d'une poutre dont X, X indiqué ici par rapport au repère global, c'est l'axe de la poutre. Ici je peux créer des nœuds pour x égale à 0 et pour x égale à 40 mètres. Donc je vais tracer la poutre. Aussi je peux définir les conditions limites mécaniques, c'est-à-dire les appuis, la liaison de la poutre avec l'extérieur. Donc ici, je vais prendre un appui simple, bien deux articulations, hein. Deux articulations et juste ici je vais nommer ça poutre béton pré-contraint. Je vais juste ici fixer aussi bloquer la rotation par rapport à X. C'est bon. Donc la dernière étape, je vais finir la section ainsi que le matériau. Je peux aller ici, profiler. Le matériau ici, il s'agit bien du béton armé, bien sûr. Je vais fixer aussi les caractéristiques géométriques de la section plane, de la section droite. Donc, une poutre avec un béton dont la résistance à la friction, la résistance à la compression égale à 35 MPa. Poutre en béton pré-contraint, le nom. Donc, largeur ici 70 cm et la hauteur égale à 1,5 cm. 1,5 mètre. Et donc, ici, je vais appliquer ça à cette poutre. Bien, donc j'ai une poutre dont la portée égale à 40 mètres et j'ai bien défini les appuis ainsi que le matériau, hein, et les caractéristiques géométriques de la section droite. Donc maintenant je peux aller faire le chargement, comme j'ai dit, dans le but de simuler la force de pré-contrainte, et pour bien simuler une poutre en béton pré-contrainte avec le logiciel de robot, c'est possible. Et déjà, il nous permet de déterminer les diagrammes des efforts internes, hein, utiles pour le dimensionnement et l'étude de notre élément. Donc, je vais aller ici, chargement. D'abord, je vais commencer par le poids propre. De la poutre. C'est bon, j'ai appliqué maintenant. Vous pouvez vérifier ici que il va considérer le poids propre de la poutre. Pour la deuxième charge, c'est la force de pré-contrainte. La force de pré-contrainte, je peux aller ici, hein, charge équivalente due à la pré-contrainte. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin ici comme données et comme information à saisir?
Donc l'excentricité maximale E2, ainsi que les deux extrémités E1 et E3, hein, les deux extrémités de la poutre, et finalement l'intensité, hein, de la force de pré-contrainte. Donc là, 20 cm comme excentricité maximale au milieu de la poutre. Là, on peut laisser 10 cm, hein, l'excentricité positive, une excentricité positive pour une distance au-dessus du centre de gravité, hein, de la fibre moyenne de la poutre, et entre la fibre moyenne et en bas, au-dessus de la fibre moyenne, les valeurs sont des valeurs négatives. Hein. Ici, moins 20 pour E2, 10 cm pour E1 et E3, et on peut laisser aussi la force de pré-contrainte égale à 1000 kN, juste un exemple pour vous montrer comment on va appliquer la charge de pré-contrainte pour une poutre. Donc là, il me reste uniquement de sélectionner la barre et je vais appliquer la force et les caractéristiques saisies. Et voilà, donc nous avons bien appliqué la force de pré-contrainte sur notre poutre. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Et on peut lancer le calcul. Et on peut afficher les résultats tels que les moments fléchissants, les efforts tranchants et les efforts normaux. Donc ici, les efforts moments fléchissants. Donc ici, l'avantage de la pré-contrainte par rapport à une poutre en béton armé, c'est-à-dire que je vais préparer la poutre, je vais serrer la poutre. Hein, donc là, je peux obtenir des contraintes de compression le long de la poutre. Et lorsque je vais mettre en place la poutre, la charge appliquée extérieure, elles vont juste décompresser la zone compressée. Je peux aller à des portées très, très importantes. Donc ici, c'est le diagramme des efforts internes. Aussi, je peux afficher l'effort tranchant, ainsi que l'effort normal. Donc ici, paramètres, description. Donc les diagrammes des efforts internes ainsi que les caractéristiques ici de la force de pré-contrainte, donc une valeur égale à 1000 kN appliquée avec une excentricité maximale égale à moins 20 cm, la section droite de la poutre de dimension 70 cm et 150 mètres. Donc c'est tout pour qu'on puisse appliquer la force de pré-contrainte pour une poutre. Et je vous remercie pour votre attention.